le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, président du CNRD, qui nous a mandatés pour d'abord vous sortir de sous les balles au Soudan. Vous êtes venus après 9 convois des Tunisiens, mais quand votre cas s'est posé, le président de la transition nous a dit « Là-bas, il y a la guerre, et la guerre, je la connais. » Donc, il nous a demandé de faire de votre transfert ici une priorité absolue. Nous n'avons pas besoin de dire tout ce qui s'est passé, mais nous devons dire une chose, c'est que de bout en bout, depuis votre regroupement à Khartoum, jusqu'à votre transport par les bus, jusqu'en Égypte à Assouan, et d'Assouan à ce soir à Conakry, tout a été pris en charge 100% par le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition. C'est important de le dire. Vous pouviez tendre la main, comme on a souvent l'habitude, des partenaires, le développement, l'OIM, UNICEF. On peut demander à nos partenaires, que je salue d'ailleurs de passage. Mais le chef de l'État nous a appris une chose. Lorsqu'il s'agit de la souveraineté de l'État guinéen, c'est d'abord l'État guinéen. Et c'est ça qui s'est manifesté. Vous êtes 84 Guinéens qui sont rentrés. Monsieur le ministre, le travail que vous avez fait en dessous, voilà le fruit. Mes chères sœurs, mes chers frères, nous sommes heureux de vous accueillir ici. Il y a un signe important. Vous avez vu les balles passer. Mais aucune balle ne vous a touché parce que le président vous a appelé avec le cœur, avec la sincérité, avec l'amour de la Guinée et l'amour pour vous. Vous pouviez aussi créer des problèmes, mais grâce au Conseil général des Guinéens, M. Diaby, à notre ambassade en Égypte, tous ceux-ci se sont mis ensemble. La comptabilité du ministère des Affaires étrangères, la direction des Guinéens établie à l'extérieur, tous ceux-ci ont été mobilisés par le chef de l'État. Et le comptable est parti nuitamment avec l'argent. Avec l'argent, il est là. Donc c'est une fierté aujourd'hui pour nous, pour vous. Le président aurait voulu être là. Mais c'est un chef d'État, il a d'autres engagements. Je voudrais donc, au nom du département des affaires étrangères, remercier la présidence de la République de Guinée. Le chef de l'État, quand il a eu l'information que la situation sécuritaire au Soudan se dégradait et que cette dégradation de la situation sécuritaire mettait en péril l'intégrité physique de nos concitoyens dans ce pays, il a instruit le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre et l'ensemble de ses équipes à prendre toutes les dispositions pour que nos frères, nos sœurs, nos fils, nos cousins, qui un moment étaient établis au Soudan, puissent revenir chez eux en Guinée. Ceci est conforme à sa vision de repositionnement et de refondation qu'il a prônée dans le pays depuis le 5 septembre. Cela voudrait dire quoi? Que partout dans le monde où le Guinéen sera en péril et que son cri de détresse voudrait que l'État se mette à sa disposition pour retourner sur la terre de ses ancêtres,
le président mettra tout en œuvre pour que cela soit rendu possible. C'est ce qui a permis aujourd'hui, cette vision éclairée, qui a permis aujourd'hui d'user de tous les canaux possibles à travers nos partenaires, à travers la relation diplomatique forte, à travers également l'action très très franche et collaborative de nos équipes hors du pays, notamment en Égypte et au Soudan, pour permettre le rapatriement de nos frères, 84 Guinéens aujourd'hui, qui vont retrouver leur famille. Également, il nous charge de rassurer les frères et sœurs que toutes les dispositions sont prises à l'interne ici pour faciliter leur intégration et que l'État sera présent non seulement pour eux, mais pour d'autres Guinéens partout dans le monde. C'est le sens de la refondation qu'il a prônée depuis le 5 septembre. On ne veut pas abuser de votre temps. Le temps de voyage a été très long. On vous souhaite encore une fois bon retour chez vous. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Alhamdoulilah, on a bien traversé sans problème, mais seulement on a fatigué un peu sur la route. Mais Dieu merci, comme on est arrivé chez nous, alhamdoulilah. Il y a beaucoup de problèmes, il y a des morts, il y a problème d'électricité, il y a problème de l'eau, il n'y a pas de manger, mais alhamdoulilah, nous on est arrivé chez nous. Ce qu'on a vu là-bas, c'est que ça en train de faire entre le deux camps de guerre. En tout cas, c'est très bizarre. On est vraiment content pour l'État guinéen, particulièrement le chef de l'État, le chef de la transition, le président de la transition, Cheikh Mohamed Doumbia. Vraiment, là-bas, c'est chaud. On a sorti sur une catastrophe. Une catastrophe. Il y a beaucoup de gens qui décidaient là-bas. On a gâté tous les pays, l'aéroport, avec tous les lieux publics. Donc quand même, on est très content qu'on a vu venir notre famille, on a vu rentrer dans notre pays. Seulement, je suis vraiment content pour le gouvernement guinéen. On a fait là-bas plus de 7 jours sur les routes. Au barrage frontière soudanais, on a fait là-bas 4 jours. Après, on a venu le frontière égyptien. Là-bas aussi, on a fait 2 jours du moins. Bon. Là, le chargeur des affaires, il a venu pour nous prendre là-bas, pour rentrer au Aswan. On a fait là-bas aussi, à plus de 4 jours à Aswan. On a rentré aujourd'hui. On dit Dieu merci quand même. Vous allez vous tous, tout l'État guinéen, les gens qui entrent avec nous ici, les journalistes, tous les Guinéens, on dit merci à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.